once again. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer une composition de gel douche pour teint bronzé, noir, marron et caramel. Avant de commencer la vidéo, avant de passer au but du sujet, j'invite tous les nouveaux et même ceux qui connaissent déjà ma chaîne mais qui ne se sont pas encore abonnés à s'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et aussi à laisser ce que vous en pensez en commentaire. Je vais donner plein d'astuces, plein de recettes et aussi des conseils. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est pas coûteux. Ça prend pas de temps, juste une seconde. Abonnez-vous. Et on passe au but du sujet. Pour réaliser notre gel douche, on aura besoin du savon noir ghanéen ou du savon noir du Nigeria. Mais moi, j'ai utilisé le savon noir du Ghana. Je devais découper mon savon en petits dés avant de mettre dans ma cuvette. Vous faites-le comme ça. Découpez le savon d'abord avant de faire le mélange. Je vais le montrer après avoir fini de faire tout ça. Vous prenez votre savon, vous découpez ça en petits dés et vous mettez ça dans votre bouteille ou votre pot de votre bouteille de gel douche déjà vide ou une autre bouteille, ça dépend de vous. Je vais ensuite rajouter les autres ingrédients. Je vais rajouter 3 cuillères d'huile de carotte, ensuite une tasse de jus de carotte, ensuite 2 cuillères d'huile d'olive, 2 cuillères d'huile rouge, 2 cuillères de miel, 4 cuillères d'huile d'argan. Comme je le disais, j'ai pas découpé mon savon en petits dés avant de mélanger les autres ingrédients. J'ai découpé le savon maintenant, je vais le mettre ensuite dans ma bouteille. Je vais venir ensuite renverser mon mélange des autres ingrédients dans la bouteille et bien secouer après. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!